On doit faire la part des choses. Okay. Allez-y. Lorsque le chef a pris le pouvoir, il a donné l'ordre. Okay. Vous savez ce qui s'était passé, moi je peux vous expliquer. Au fait, les Kokonyangi, les Gwake Omer, ils ont pris les maisons de l'État. Ils ont donné aux Libanais, aux Indiens. D'autres, lui-même Kokonyangi habitait à Royal, là on a des guerpies. Hein? On ne doit pas endormir les gens. Et puis il y a une différence. Par exemple, les Mouezons, des temps de Mobutu Sese, en tant que président de la République lui-même, a donné aux personnalités politiques ou je ne sais pas qui de l'époque. Mais un ministre qui va à Kiekosala, on prend une maison, et va désaffecter en gros, après si tu es au Libanais, on a procès, on connaît comment les choses se passent. La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, messieurs, bienvenue dans votre émission Dernière Minute Haute, le Bilac, actualité politique et République démocratique du Congo. L'UDPS prend le commande, il y a l'entreprise publique. Quelque chose au bas militant et l'UDPS va combattant, qui pendant longtemps, le lieu s'est réalisé par la nomination et le président de la République. Mais aussi, nous allons parler des enjeux politiques et à parti présidentiel pour l'élection 2023. Sur ce plateau, nous recevons pour vous un cadre de l'UDPS. Il s'agit bien de Modeste Tchitchi. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, mon frère. Bonjour à tous nos téléspectateurs et à tous les membres de l'UDPS. À tous les membres de l'UDPS, comment se porte le parti présidentiel? Non, en tout cas, pas. Lelo Bozui, commandement, il y a l'entreprise, il y a l'État où vous allez qui pendant longtemps, 4 ans, au UDPS et aux associations d'entreprise de Kabila, Tikal Nango, à l'Inco Libérité. Lelo Bozui, commandement, va présenter un mandataire public Nabino. Et c'est mon île Bozanango. Oui, c'est pour dire que la vérité attrape les mensonges. Ils ont commencé par mentir, et puis aujourd'hui, vous les voyez encore à la télé passer faire... Ils ont commencé par mentir. Pour dire que c'est Kabila qui avait en main, on a traité notre chef de placebo de tous les mots. Oh, il n'y aura pas ça, rien ne va se faire jusqu'à aujourd'hui. Là, je vais revenir sur notre ami Fayoulou qui avait même dit que si on donnait les passeports à Moïse Katoum, on peut lui couper les doigts, mais nous attendons qu'il vienne. Nous allons lui couper les doigts, comme il avait dit, ou l'amputer à l'époque. C'est pour vous dire que c'est comme Kofi l'avait dit, le goûter en ascenseur, vérité, un escalier peut être commis. La vérité, ça, c'est d'abord, vérité hein? Un escalier commis parce que vous êtes un mandataire public. Non, on a le pouvoir, pas toujours ça. Et puis, oui, ça montre vraiment que les partis maintenant... Prend le commande de... Les messieurs qui a fait que nous, l'IDPS, nous ayons beaucoup de chômeurs, vous les connaissez. C'est celui qu'on avait appelé à un moment 500 gigas. Il a fait engager même les gens des Kabila et des Fayoulou. C'est après que nous avons compris que président Tchitchi, il jouait à ces jeux. Président Tchitchi, oui. Ici c'est Congo Live Télévision. Oui. Il faut être direct et clair avec les téléspectateurs de la télévision. Ouais, laissez-moi quand parler. Quand vous parlez de messieurs, il faut citer les Kabunda, Kabunda. 80% va conseiller Bazagina président. C'est lui. L'homme de faiseur de président de la République. Bon, je ne sais pas, faiseur de président de la République. Mais comment vous inventez des vocabulaires comme ça, comme les autres? C'est selon les dires. Yem Tassenga, président retiré signature. Ah, mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas lui. C'est la base. Si Yende Asengaki, Awabimi, combien de personnes l'ont suivi? Combien de personnes? On a vu Kamere quitter Kabila. Il est parti avec Bile Bitakwire et les autres. On a vu les Moïse Katoumbi quitter Kabila. Il y a des députés qui sont partis. Mais cite-moi un seul député qui est parti avec Kabou, que tu connais. Lui, faiseur d'homme. Cite-moi un seul député qui l'a suivi. Le député d'ailleurs, c'est trop dire. Le ministre, n'en parlons pas. Nous, on a vu le ministre, par exemple, Sam Aloukonde, avait démissionné à l'époque, il était ministre des Sports. Ah, mais lui, combien de personnes l'ont suivi? Il faut qu'on arrête de distraire les gens. Ça, c'est d'abord, on connaît d'où est venu le malheur. D'où est venu le mal? On a extirpé le mal et on continue. Les antivaleurs continuent. C'est pourquoi même beaucoup de gens qui passaient à la télé faire des bruits. Oh, rien n'est fait. Mais maintenant, ils se sont tués. Hein? Comme ce sont des champions en fabrication des vocabulaires. Avant, c'était oh, placebo. Après, oh, incompétent. Et oh, jouisseur. Et maintenant, après les réalisations, ils vont créer encore un autre vocable. Okay. Parce qu'ils sont des spécialistes. Ils vont maintenant être dire, oh, vantard, ça sera comme ça. On leur a dit, vous êtes trompé d'adversaire et vous allez mourir de crise cardiaque. Parce que nous allons vous aider à faire l'opposition pacifique. Mais dans peu de temps,
on connaît le nombre de ceux qui vont traverser pour nous, nous rejoindre. La base, basui, bah, mandataire public. Mmh. Et qu'est-ce que la base recousait là après avoir nomination Anna pour qu'on puisse dire aujourd'hui que l'IDPS a un commandement de choses. Voilà, merci beaucoup. D'abord, je profite pour saluer il y a certaines de mes amis. Il y a par exemple Coco Moulongo, mmh, qui est député d'ailleurs, et puis qui était membre du comité de gestion de la SNCC. Mmh. Coco Moulongo, avec qui on a été à Lubumbashi, je l'ai même présenté mes félicitations. Il y a Amissi Adolphe, qui est PCA de l'Éloge Frem. Et il y a aussi d'autres amis que je connais, par exemple, Bienvenue Makoumani, à l'ACP, Jean-Médard Liosso, tant d'autres, peut-être que j'ai oublié. Mais, hein. Okay. Et par l'occasion, c'est pour vous dire que, d'abord, un, les choses vont changer comment ? Par la vision du chef. La plupart des DG qui étaient là servaient les régimes déchus de Boumangana, Boumaoto, Boumana. Pardon ? Ils ne respectaient pas la vision du chef de l'État. Non, pas toujours respectés, mais ils étaient habitués, hein, à leur jeu là, où on a connu certains messieurs forts. Et le matin, chaque jour là, nos amis du régime Boumangana, Boumaoto, Boumana pouvaient demander, tenez là, 50 000 dollars parce qu'ils en avaient beaucoup. Hein, ils avaient beaucoup de bureaux par-ci, par-là. Je crois que vous vous rendrez compte que GB, c'était le quartier le plus cher maintenant. Tout à fait. Parce que les gens qui prenaient l'argent, qui allaient amasser, hein, qui prenaient gratuitement, qui ont logé des 5e, 6e, 12e bureaux, ils ne sont plus au pouvoir. Maintenant, ils sont en train de crever. C'est pourquoi nous disons, ils se sont trompés d'adversaire. Nous allons les aider à mourir. Nous allons les aider de mourir à petit feu. Hein? Parce qu'ils n'auront plus cette mainmise petit à petit. Mais vous allez voir que le chef, non seulement, il aime tous les Congolais, il a besoin de l'expertise. Okay. Nous, l'IDPS, on ne vient pas au pouvoir pour exclure les gens. Okay. Non, on vient pour faire participer tout le monde, okay, que tous les Congolais puissent travailler pour le bien de notre pays. Puisse. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué, la preuve jusqu'à aujourd'hui, dans l'armée, la mise en place n'a pas été faite. Mais dans la police, dans les établissements publics, les entreprises publiques, pardon, je crois que vous savez, c'est maintenant qu'on est en train de procéder. Y compris même dans des cabinets ministères, jusqu'aujourd'hui, les ministres n'ont pas encore installé leur cabinet ministériel. Voilà, parce qu'il y a toujours les anciens, les chefs ont dit non, restons unis. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Hein? Ils sont dans la logique de nos amis là du régime. Mais c'est déjà désespéré parce que ça fait 4 ans que depuis qu'il est au pouvoir. Ah, mon conjoint, il y a un entourage, je te disais que même la diaspora, il y a qui. Ah, mais maintenant vous vous rendez compte qu'il y a des contradictions. Parce que les DG au Balongo-Lijiko, il n'y a pas des gens de la diaspora. Tout à fait. Ce sont les gens qui. Régime déchu et Tikaki. Mm-hmm. Hein, régime à Boumangana, Boumaoto, Boumana. Mm-hmm. Hein, Tikaki, Bango, la plupart. Mais le chef a compris qu'il y a de ces gens qui ont l'amour. Il y a des gens qu'on a reconduits. Lambert Mende, il est reconduit. Mais parce qu'il est, aujourd'hui, il est de l'Union Sacrée. Tous on le sait que Lambert Mende, c'est quelqu'un non. qui était... Non. Ok, l'Union Sacrée, ça a été créé, ça fait combien de temps? Mais comment est-ce que celui de la SNEL est encore là? Pourquoi tant d'autres? Est-ce qu'ils sont de l'Union Sacrée? Il y a les secrétaires généraux. Donc, si on comprend très bien, le président Tshisekedi ici dit que le président Félix Tshisekedi dit... Azoko travaille bah, tout est parce qu'Azam Moutou Union Sacrée, non, voilà, il travaille avec tous les Congolais. Si tu as une expertise, l'intérêt principal de Congolais, expertise de ce que je comptais, et que tu travailles bien, il y a des gens que le chef a pardonné. Combien de fois il a dit à nos amis du FCC, travaillons autrement. Vous avez tué, vous avez détourné, vous avez volé. Essayons de changer les choses. Et puis vous allez remarquer, par l'occasion, je voulais profiter. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Nulle part, Bazoui fausse commune. Hein. Ça fait 4 ans. 4 ans. Vous le confirmez aujourd'hui. Ça fait 4 ans que Fatih est au pouvoir. Et les 4 ans, nulle part on a découvert une fausse commune. Nulle part, l'armée a tué une tribu, comme l'histoire de Kamouenassap. Ok. Vous comprenez? Nulle part, vous allez voir Marche de l'opposition, vous n'allez pas voir quelqu'un qui parle. Tu vas là-bas, on te donne même une bouteille de sucré, tu t'assois, on t'entend. Allez poser la question à Kitenge Jimmy, qui passait la nuit chez lui, aurait de penser à comment faire autre chose. Un monsieur là, tu fais des récitations la nuit pour venir défendre un monsieur qui a détruit les entreprises de l'État après avoir tué les Congolais. Jimmy Kitenge. Ouais, mais c'est de lui que je parle. Mais aujourd'hui, Aner Nabango, aujourd'hui là, il y a des gens depuis qu'ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Aner Nabango, soit au Koti, soit au Zongi Deng. Vous comprenez? Mais, Bissot Humanisme, écoute, le chef de l'État lui-même l'avait dit, dès qu'il prend le pouvoir,
toutes les maisons que Kalev avait transformées comme des cachots, on a tout récupéré en Ndamba l'État. Et on a fermé tous ces cachots. Quand vous parlez de Bandaka l'État, la différence entre nous. Quand vous parlez de Bandaka l'État, aujourd'hui, on voit dans la télé le ministre de l'Ibanisme, Makoum Kouzoumé, le Bandaka Kabatosoma, depuis 1985, il y a une dame qui réclame sa maison qu'elle a achetée depuis 1985. Ok. Oui, et s'est transformé dans Bandaka l'État en 2022. Non. On doit faire la part des choses. Ok. Allez-y. Lorsque le chef a pris le pouvoir, il a donné l'ordre. Okay. Vous savez ce qui s'était passé, moi je vais vous expliquer. Au fait, les Kokonyangi, les Gwake Omer, ils ont pris les maisons de l'État. Ils ont donné aux Libanais, aux Indiens. D'autres, lui-même Kokonyangi habitait à Royal, là on a des guerpies. Hein? On ne doit pas endormir les gens. Et puis il y a une différence. Par exemple, les maisons des temps de Mobutu, en tant que président de la République lui-même, a donné aux personnalités politiques ou je ne sais pas qui, de l'époque. Mais un ministre qui va à Kiekosala, on prend une maison, et désaffecter en gros, après si, au Libanais, on a procès, on connaît comment les choses se passent. Okay. Il y a est-ce qu'on a arraché les maisons à tout le monde? Non. La plupart des gens de temps de Mobutu, maintenant, si tu as acheté chez qui? Auprès de qui tu as acheté? Ce sont les maisons de l'État. Et avant qu'on en arrive là, procès, Ali, moi, je pensais que par les cochons, l'ignolo, Makamwandak, il y a Mukondi, Akala. Non. Mais là, la maison n'appartient pas à Zoé Kabila. Maison d'Aïki, il y a société SR Katanga. Zoé, il est non, parmi des actionnaires. Papa, moi, j'habite Gombe, j'habite ce côté-là. Nani, nous, on en a rangé, on a nion société. Il y a ma maison, il y a armée. Mais il y a le propriétaire, il y a l'entreprise Oyo Aïki qui s'expliquer devant la télé pour dire que la maison n'appartient pas à Zoé Kabila. La maison appartient à l'entité SR Katanga. Oyo Zoé Zali, bon. Parmi actionnaires et entreprise Zouana. Ah bon? Lui, il habitait dans cette maison comme actionnaire, il a mis son bureau privé. On doit arrêter d'endormir les gens, mes amis. Hein? Il a Zoé actionné. Mais écoutez, on doit arrêter de faire l'amalgame. Hein? On connaît. Ok. On connaît. Si quoi, on a ce qui va conseiller. Nandako ya Sakombi. Azaragi kak actionnaire. Tout le bâté. C'est en sérieux quand même. Avançons. Hein? On n'est pas là pour. Nous ne sommes pas des vendeurs de vent. Ok. Nous sommes des actionnaires. Je répète, ces gens-là. Qui se sont bombés de torse. Nous allons vous aider à faire une opposition pacifique. On sait que vous ne tiendrez pas. Parce que vous n'êtes pas habitué à faire l'opposition. Vous n'êtes pas habitué à faire l'opposition. Ouais. Mais des deux, nous on connaît l'opposition. Hein. 32 ans. 37 ans. Comment on a pris la décision de laisser ma richesse, ma opulence, tout et tout, ma papa Étienne, ma Kibasa, tous les autres, ma Boakem, pour aller faire l'opposition. Mais eux sont venus de quelque part directement au pouvoir. Tout justement, quand vous parlez. Mais c'est quoi ton zone ici, Bango? Vous allez voir. Tout justement, quand vous parlez de Kibasa, aujourd'hui, on peut parler de combien de l'UDPS? Non. Vous savez qu'on avait multiplié pour des raisons stratégiques. Même Tchibalala a eu son UDPS, non? Vous le savez, vous ne le savez pas? Tout à fait. Tchibala. Mais montrez-moi où, même l'odeur de son parti. C'est de où? Son parti fonctionne où? Quelle activité politique ils ont tenue depuis? Bon, Tchibala, ça se comprend. Hein? On a fait de lui un millionnaire. Quelqu'un qui n'avait même pas 10 000 dollars en poche. Et il est toujours millionnaire. Il peut, par reconnaissance, il peut être dans ces camps-là. On peut comprendre que quand bien même, il est là sans être là. On peut comprendre que la politique est dynamique. Bon, mais oui, dynamique, la raison. Aujourd'hui, Kabila est avec Fayoulou. Kabila est avec Fayoulou. Mais est-ce que c'est un secret? Vous ne savez pas? Regardez les gens de Kabila quand ils passent et les gens de Kabila, de Fayoulou, même langage. Je mens. Suivez l'autre ici, Bolodja, Josephiste d'air de naissance et de carrière. Hein. Vous connaissez Bolodja, Alain Bolodja. Regardez lui quand il passe à la télé avec les gens de Kabila. Ce sont les oiseaux de même plumage. Bon, pour des raisons, comme on dit que la politique est dynamique, on peut les concéder cela. Là, quand on parle de Martin Fayoulou, il y a récemment qu'il vient de faire des révélations concernant le salaire des émoluments de députés. 21 000 dollars. Mais oui, bon. Le PCA, le député national Lambert Mende, il est passé par les antennes de nos confrères pour démentir l'information. Vous, au sein de l'IDPS, comment vous avez jugé cette déclaration? Non, mais d'abord, c'est le populisme. Hein? Populisme. Écoutez, il ne faut pas. Vous savez, il y a quelqu'un, quand il meurt, il est dans les commas, le cœur continue à battre,
Et une telle personne ne peut pas vous faire peur. C'est comme on ne peut pas tirer sur un cadavre. Donc ce monsieur dont vous venez de parler tout à l'heure, il fait le populisme pour qu'on puisse parler de lui. Donc c'est quelqu'un qui est déjà dans les comas politiques. Comment politique? Ouais. Expliquez. Mais parce que lui-même est député national et il a 5 députés nationaux. Vous savez ce qu'il a fait? Il voulait désorienter les gens parce que Wello, Serge, un des membres cadres de son parti, l'avait dit avant. Il a dit non, mais monsieur le président Fayoulou, vous m'avez beaucoup appris, je vous en remercie pour ça, mais je vous demande, parce que vous vous dites que vous êtes opposant, vous vous attaquez aux institutions, mais je vous demanderai au mois de septembre que vous alliez déposer votre lettre de démission et que vous cessez de percevoir les émoluments. Et parce qu'il savait que les gens vont tirer l'attention sur lui, il sort cette histoire ici. Comme Mendel l'a dit, il a raté la chance de cette ère une fois de plus. Mais depuis janvier, il a dit depuis janvier, non? Oui. Maintenant, nous sommes au mois de septembre. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a attendu au mois de février? Mois de mars, mois d'avril, mois de mai, jusque... Non, écoutez, on doit arrêter de distraire les gens. On connaît, Fayoulou est en train de distraire les gens parce qu'il lui avait demandé de démissionner. Il perçoit l'argent. Et lui et son ami Mouzitou. Il perçoit l'argent? Mais oui, ils sont payés. Tous les émoluments? Merci. Avantages, tout comme... Oh, papa. Mais est-ce que vous avez entendu ces députés d'ailleurs, si vous avez l'occasion, appelez-les. Ils vont vous le dire. La plupart ont fui les médias. Moi, non seulement il les a exposés, pour des raisons stratégiques, pour qu'on puisse l'oublier, qu'on ne puisse pas tirer l'attention sur ce que Georges Wello a dit. C'est pourquoi il veut maintenant désorienter les gens. Distance, c'est la distraction. Félix Tshisekedi ne travaille pas selon le dire. Aujourd'hui, le président de la République se trouve au Kananga pour lancer des travaux de construction. Mais j'avais dit un jour, Naïf Sanga, ils se sont trompés. Mais les aventuriers là, les incapables, cette équipe d'incapables là, Naïf Sanga Bango, vous êtes trompé d'adversaire. Vous allez subir. C'est dans les actions. Ils étaient là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce sont les spécialistes dans l'invention des vocables, par-ci, par-là. Oh, rien n'est fait. Oh, il y a ça et ça, les sociales. Même une maison, quand on construit comme ça, pour couler les bétons, il faut attendre 21 jours. Mais le social n'est pas seulement... Non, je vais répondre à votre question. Allez-y. Même un maçon, je ne sais pas qui, quand il construit une maison, il veut couler les bétons, il doit attendre 21 jours. Mais qu'est-ce qui allait se faire par coup de baguette magique pendant que... vous savez, on a passé 18 ans de compétences dans ces pays. Hein. 18 ans d'incompétence. Non, des compétences, parce que nous sommes des incompétents. Et on est content de l'être. Okay. Mais pourquoi, je vais vous expliquer. Dieu a créé deux animaux, comment dirais-je? Tu peux avoir un mâle et une femelle. Okay. D'accord? Okay. Hein, tu peux avoir, je ne sais pas, par exemple, Satan et Dieu. Donc, il n'y a que deux choses. Tout comme il y a l'avantage, il y a l'inconvénient. Il y a la compétence, il y a l'incompétence. Vous savez, pour que Jésus vienne, il fallait que les diables viennent au monde. Vous êtes d'accord avec moi? Allez-y. On a dit malheur à la terre car le diable l'a précédé. Après, Jésus est venu. Et pour que Fatih vienne, il fallait que quelqu'un le précède. Vous comprenez? Mais maintenant, allons maintenant dans cette logique. Si je comprends très bien. Pour qu'on apprenne. Le Jésus pour la République démocratique du Congo, c'est Félix Antoine. Non, vous le dites. Mais je vais plus développer un peu ma théorie. Allez-y. Il fallait que le diable vienne. Et que pour que Jésus vienne, pour que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle. Vous comprenez? Mais maintenant, pour que Fatih vienne, il fallait que quelqu'un le précède. Vous comprenez? Vas-y. Et c'est dans cette logique que quelqu'un qui est incompétent ne peut pas connaître la compétence. Okay. Donc tu dois être compétent pour ne reconnaître l'incompétence. Mais pour que l'incompétence vienne, il fallait que la compétence vienne, qu'il y ait d'abord la compétence, non? Okay. Mais la compétence a fait 18 ans. Mais nous, dans notre incompétence, on n'a même pas fait 5 ans. Mais les gens commencent à pleurnicher. Hein? Avec l'incompétence. Oh, les gens vont disparaître. Les gens vont disparaître. Ils vont disparaître. L'incompétence. Aujourd'hui, Maman Emo, 60 ans, est en train d'être reconstruit. Reconstruit, et puis ça va prendre la feuille. 40 ans, 18 ans de compétences, les grands marchés, jusqu'à leur départ, jusqu'au moment où nous commençons à construire. Avec la compétence, je n'ai jamais su qu'à côté
de la Fikine, là, il y avait une route qui quitte. Les menaces opérationnelles. Avec l'incompétence, donc si je vais entrer dans les détails, avec l'incompétence, aujourd'hui, les habitants de l'Emba Imbu, ils ont de l'eau, ils ont les courants. Avec l'incompétence, on voit aujourd'hui la direction Lengesa. Bon, il y a trop de choses, parce que nous, on se prépare. Aux élections, ils vont fuir. Je vous dis, on va aller. Parce que Kamere nous a donné un exemple. De l'autre côté, dans le système, il y a. Comment dirais-je, Kamere nous avait dit. Pièce contre pièce. Hein, contre lobby, pièce contre pièce, il y a solo. Mais photo contre photo. Vidéo contre vidéo. Togomono. Allez-y, parlez des Kananga alors. Bon, oui, comme vous le savez, aujourd'hui, les chefs de l'État procèdent au lancement. Mm-hmm. Il y a Nzela, c'est quoi, Kalamambouji. Kalamambouji. Et Kananga. Qui va désenclaver d'abord les grands Kassai. Mm-hmm. Et puis, ça va déboucher dans le corridor, il y a. L'Obito et tant d'autres. Donc, le pays est en train de s'ouvrir. Quand vous voyez, apparemment, la population de Kananga réclame l'absence de l'autorité au niveau des provinces de Kananga. Et surtout, mais le chef est sur place, c'est vous qui vous êtes à la tête de cette province-là avec votre gouverneur. Et donc, non, nous, écoutez, si on remarque que quelqu'un n'est pas à sa place, on le remplace. En mouvement, c'était pareil, non? Avec Jules Maweza. Nous ne sommes pas des complaisants. Hein, tu mets quelqu'un pour. Non, non. Si on sent que tu n'es pas à la hauteur, on te met de côté. Ou toi, si on te cherche une place où tu peux bien travailler ou évoluer. Mais en attendant, le chef sera sur place. Il y a des rapports qui ont été faits. Et je crois, de manière continuelle, aujourd'hui, demain, pendant qu'il sera là, on va essayer de pouvoir trouver des solutions aux problèmes. À certains problèmes. Hein. Et surtout, il faut se rendre compte que 2023, c'est dans quelques mois. Oui, non, ce n'est pas dans quelques mois. C'est dans une année et demie. Nous sommes au mois de septembre, non? Mm. C'est pourquoi j'ai dit, d'ici décembre, Bavien Abisso Moussous, Bakokatissa. Retiens l'heure et le jour d'aujourd'hui. Bakokatissa. Nous sommes au mois de septembre. Bakokatissa. Dis. Bakokatissa, Bakokatissa, Bakokatissa. Mais c'est normal. Le professeur Njoli l'a dit que quelqu'un qui crée, quand quelqu'un qui crée un parti politique, ce n'est pas pour rester à l'opposition. Mais eux se sont déclarés comme étant des opposants. Quelqu'un qu'on peut voir hier un kabiliste, il peut devenir encore un tshisekédiste. C'est plus pire, selon les dires du professeur Njoli. Bon, Njoli l'avait dit, pire que ça. Mais, tout comme. Non, maintenant ils ont pris des raisons de revenir être tshisekédiste. Non, les tshisekédistes, il y en a. Il y a des gens qui se sont déclarés des tshisekédistes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent regarder leurs enfants dans les yeux? Le cas de Diomi Ndongala, frappé à mort, arrêté par celui qui l'a, lui, pensé, que lui, il a pensé. Mais c'est l'un Diomi Ndongala qui dit que le président Félix ne respecte pas la logique du tshisekédi du père. Selon mais lui. C'est ça que j'ai dit, non? Nous, c'est le peuple d'abord. Mais le peuple mais il l'a dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Franck Diongo peut parler en regardant sa femme et ses enfants dans les yeux? En étant libre? Il peut parler en regardant les enfants de Kapend, du général Mounene. Il peut dire un mot devant la femme de Chebea et ses enfants, de Fidel Bazana, la famille de Thérèse Kapangala, de Roussi Moukeni. Non, mais écoutez, on veut se jouer déjà ou quoi? On veut se jouer déjà. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, bon, tous en abino, tous en septembre. Aujourd'hui, deux jours ne passent sans que vous voyez une réalisation du chef. Oui ou non, ceux qui n'ont pas aussi, bon, on a aussi. Et c'est ils vont disparaître. Mais nous allons, c'est ça que j'ai dit, nous allons les aider à faire une proposition. Parce qu'avec nous, vous avez un gaz, la lacrymogène et vous allez mais vous coufandez n'a pas si. Mais en attendant, je t'ai dit que d'ici décembre, tout dans l'information, parce que 2023, ne vous trompez pas. Les 500 députés qui sont là, ceux qui sont là, pas plus de 50. Retiens ce que je t'ai dit aujourd'hui. Pas plus de 50. Pas plus de 50. Même si il y a l'union sacrée aujourd'hui, vous avez plus de 300. Je ne dis pas que parce que tu es dans l'union sacrée, Ndogoleka. Mais j'ai dit le nombre de députés qui sont là. En tout cas, retiens ça. Ceux qui vont avoir le cas, pas plus de 50. Alors, les 450, on a dit que vous avez tout le monde sous, hein, n'est-ce pas, Bissot, n'est-ce pas, tout le monde sous quoi.
Hein? Quand vous parlez de la candidature de députation nationale, là, on va parler tout à l'heure des enjeux politiques de l'IDPS. Comment vous vous préparez pour les élections de 2023? Mais la raison, vous venez de le dire tout à l'heure. D'abord, à son temps, on avait 32 candidats gouverneurs. Ok. On avait combien? L'organisation interne. C'est ce que j'ai dit. Les messieurs, en tout cas, Dieu les payera. Lui, il va les payer devant Dieu. Ce qu'il a fait, il voulait faire de l'IDPS. Dieu l'a confondu. Il a mis beaucoup de désordre en nommant la plupart des messieurs qui n'avaient pas de base pour faire les désordres parce qu'il avait un plan derrière ça. Mais sans compter avec Dieu. Donc l'IDPS, rien que par l'histoire de candidats, donc on a fini. Aujourd'hui, on a les mandataires. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le sauveur de l'IDPS, c'est Augustin Kabouya. Mais Babenga Gaye Mwana Bouté, tu sais ce que ça veut dire Mwana Bouté? Mwana Ali Bosso. Ok. Or, Mwana Ali Bosso, celui qu'on a dit 500 gigas était encore là. Comment est-ce que. C'est pour te dire que dans la vie, et sans pour autant se rendre compte. Comment est-ce qu'on peut dire de ton petit frère qu'il est l'aîné pendant que toi l'aîné qui tu es là? C'est Kabouya qui a fait de Augustin Kabouya, c'est qu'il est aujourd'hui comme secrétaire général de l'IDPS. C'est sous Kabound qu'il a été nommé secrétaire général de l'IDPS. Ben oui, mais lui aussi, c'est le président qui a fait de lui président AI. Avec un mandat papa spécial. Papa Étienne, est-ce que tu sais que l'IDPS, aujourd'hui, ça fait au moins 5 ans ou 6 ans, on n'a pas de cartes. Parce que ces messieurs-là ont bouffé l'argent des cartes des membres de l'IDPS. Nous sommes allés aux élections sans carte des membres. Mais aujourd'hui, au moins, vous êtes au courant, bah, machine, koutou, il y a ma carte ici, y est. Sous le CG Augustin Kabouya. Hein? Ok. Non, il ne faut pas se tromper des portes. Je vous ai dit tout à l'heure ici que Babane Omenga est Mwana Bouté. Mwana Bouté, ça veut dire que l'enfant est né. Mais comment est-ce qu'on peut l'appeler l'enfant est né dont les gens ont vu? C'est comme quand on disait Fatia Zabeto, tu nous avons le Bao, Kabila Zabirin. Beto, il bouka Birin. Bano le Kabila Zabirin. Mais oui, il y a de certaines personnes qui nous disaient ça. Oh, Akobuka Beto, mais Nelo Bazawa. Beto et Bouka Birin. C'est comme aujourd'hui, Kabouya, Mwana Bouté, Balobaka, Yango, vous allez numéro 1, mais tu vas comprendre. Comment est-ce que tu peux être l'enfant aîné pendant que celui qui est soi-disant aîné est là? Mais non, c'est ce qu'on veut savoir au niveau interne, comment vous vous préparez pour les élections 2023? Mais on ne se prépare pas, papa. Donc, l'organisation, ça s'est fait du jour au lendemain. Vous savez, c'est comme les Congos, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Les lois, comment l'on veut la sociale. Mais, imba, l'emba, imba, auto, tu vois, ça fait partie des sociales. Bandera, aujourd'hui, le Congo est un chantier. Ça fait partie du social. Où t'as la courant à maille, ma camo courant, problème à maille, tout ça, problème à carburant. Tout ça, hein? Tout ça, que ça, maintenant nous sommes en train de colmater les brèches. Ok. Après avoir extirpé les mâles. Les mâles, il n'y avait pas qu'un seul individu, il y avait un individu avec son système, avec ses chambellans, ses garçons de course qu'il avait mis par-ci, par-là. Ses garçons de course. Mais il avait nommé les messieurs dont je parlais tout à l'heure. Bah garçon de il a imposé même aux alliés, bah directeur de cabinet. On est au courant de beaucoup de choses. Hein? Hein? Ces messieurs, heureusement, son temps est passé. Donc c'est une page tournée. Feuilleton mis dans les oubliettes. Donc tout mis en haut, tu es en haut, ce qu'on a mis dans le fleuve est coulé. Et maintenant on parle d'autres choses. À l'interne, on est en train de s'organiser petit à petit. Heureusement, les sièges sont très regardants de ce côté. Pour dénicher tous les semeurs de troubles que le monsieur l'a laissé. On ne dit pas que tous les gens qu'il a laissés sont des semeurs de troubles. Non, selon, certains. Selon quelques communiqués qui circulent, on a demandé même au niveau de présidence de la République d'identifier tous les membres où Jean-Marc Kabound l'a nommé. Mais je t'ai dit tout à l'heure ici, Kamer est parti avec des députés. Moïse et les autres sont partis avec les députés. Kabound est parti avec qui? Cite-moi un seul. Même dans une émission, député tel aïe à l'équipe, moi, ressortissant de moi tel Nabimi. Vous l'avez entendu? C'est comme à l'époque où on a brandi une histoire de vérité des urnes. Vérité des urnes, lorsqu'on a proclamé Fatshu Beton, président de la République, au moment où il y a tant PC, à tant moustique à l'équipe, il y a la marche. Lui, de PC, c'est la machine politique. Et on a dit, bah, bien. Mais nous allons vous aider, nous allons vous fatiguer. Préparez-vous bien. 2023, vous allez disparaître. Modeste, tu dis 2023, candidat député provincial, député national ou sénateur? Non, 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 non. Nous sommes encore au niveau de l'organisation.
nous allons suivre l'ordre de la hiérarchie. On va voir. Parce que nous, on est organisé. Hein. Avant, comme il n'y a pas un ACEP côté à Chabani, les CG, bah, on a la liste, bah, tout selon leurs compétences, bah, classer. Mais moi, député national, je l'ai dit comme ça, ça ne me tente pas. Mais je sais où je peux viser. Vous pouvez viser aussi la présidence de la République? Non, ah, dis pas. Non, c'est un candidat unique, tu as là. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Dis. Bah, on a un moussous contre le tozo, il n'y a pas de moupique, on va vous gâter. Quand on a eu. Mais on a l'équipe à tout moussous. Dans l'équipe à tout moussous, il n'y a pas parti moussous. Tout comme ils passent à la télé qui font des bruits. Les gens comme les Bolodja là, les gens incapables de réunir 20 personnes. Non, à l'équipe Bango, parce que moi j'ai une base. Vous comprenez? Donc d'abord, le problème, la mission Zali, les Zali qui tombent dans Fatia Leka. Si Koko Leka, c'est à l'équipe. Mais il faut que Baxelé va pour le santage. Vous voulez ouvrir 85, 90. Bolingo Baxelé, deuxième mandat. Oh, on a déjà, c'est un acquis. Oh, l'a dit, va sondage, c'est. N'a pas sondage dans Bango Moko. Un acquis par quel moyen, par quel mécanisme? Parce que... pour avoir bien travaillé. Avec l'incompétence de Moni Makambwebele, incompétence de Mbalaba les Obunga, incompétence de l'autre commune, tous les bateaux de pêche. T'as là, papa. Badjoana, elle va se préparer. Bahoyoka. Bahoka Kabiso n'a opposé, ce que Bahoka Kabiso n'a pouvoir. Nouvelle version. Encore, Ngaï, comment on a l'homme aux armes de destruction massive. L'homme aux armes de destruction massive. Ah, contre les régimes, Bomangana, Bomangoto, Bomang. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre dernier mot. Le dernier mot, je salue d'abord le président de la République, chef de l'État, Fatih Beton, le secrétaire général, Augustin Kabouya. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de comprendre. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Augustin Kabouya, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de chef. Mais il n'y a pas de problème. Hein? Les lots, ça se concrétise et nous sentons vraiment que les changements, on est en train de se préparer, de réorganiser les partis, comme on a extirpé les mâles, mais pas totalement. Évidemment, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent créer des troubles, mais on n'a plus besoin de se mettre des troubles, parce qu'en dehors de faire passer les chefs de l'État, nous allons lui donner une bonne majorité. On sait qu'aucun parti ne peut gagner les élections à lui seul. On aura des alliés, mais on veut avoir plus de députés. Même 10 fois plus que les députés qu'on a eu en 2018, au niveau des députés nationaux, des députés provinciaux, on doit avoir des gouverneurs, on doit avoir des bourgmestres, et surtout qu'il y a les élections générales. Hein. Mm-hmm. Oui, on doit avoir aussi les conseillers communaux, on doit avoir des bourgmestres, on doit avoir des maires, tout ainsi de suite. On est en train de se préparer petit à petit, mais à notre niveau, déjà, nous voyons les choses sont en train d'aller dans le bon sens, tel que voulu et souhaité par les chefs de l'État. Tel que voulu et souhaité par le chef de l'État, ce sont les derniers mots de Modeste Tchiti, cadre de l'UDPS. Comme le dit toujours, la République a besoin de jeunes. La République a besoin de gens déterminés pour qu'on puisse faire changer les choses. Peu importe nos problèmes, on est tous Congolais. Qu'on se délise. Au revoir.